Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontre assez particulier et spécial, puisque c'est un fil qui va loin, c'est un fil en soie qui va jusqu'à la route de la soie pour lier des contacts qui sont millénaires entre les Chinois et les musulmans depuis plusieurs millénaires. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux du directeur général de l'Institut Razali, Institut de formation des imams. Nous sommes les hôtes de son directeur général, Monsieur Jelloul Sediqi, qui est également le secrétaire général du Conseil représentatif des musulmans de France, qui reçoit une délégation chinoise composée du vice-ministre chinois des affaires religieuses, de ses directeurs et des plus importantes personnalités de ce ministère qui est concerné par les affaires religieuses chinoises. Nous commençons par le maître des lieux pour lui demander quel est l'objectif de cette visite et dans quel cadre il reçoit cette délégation. Monsieur Jelloul Sediqi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le fil des rencontres. Bonjour. Vous êtes un familier de cette chaîne et nos téléspectatrices et spectateurs vous connaissent puisque vous participez à Parole Commune. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le même cadre. Quel est l'objectif de la visite de cette délégation chinoise qui est une délégation très importante et à haut niveau? Bismillah ar-Rahim. D'abord, ça rentre dans le cadre des activités de la Mosquée de Paris, de notre institut. Et ça fait un an que le directeur général de la Fédération des musulmans chinois m'a contacté. Et j'allais partir justement en Chine l'année dernière, mais pour des raisons de santé, je me suis absenté. Mais cette année, on a bien préparé cette réunion parce qu'elle rentre dans le cadre de renforcement de relations entre la Chine, tout simplement, comme État, qui incarne pour nous le progrès, l'apaisement et l'économie en marche, comme on dit, et une institution ancestrale comme la mosquée de Paris. Donc c'est tout à fait naturel que nous recevons tous ces messieurs et dames, monsieur le ministre, madame la directrice générale et la délégation qui l'accompagne. Merci, on reviendra vers vous au cours de cette interview. Je me tourne vers votre invité. Monsieur le vice-ministre, bonjour et bienvenue dans notre émission. Monsieur le vice-ministre Zhang Limin, vous rendez aujourd'hui une visite à la mosquée de Paris. Avant cette visite, vous avez rencontré des responsables de la communauté musulmane en France. Quel est l'objectif de votre visite? Je suis très heureux, très honoré de venir dans cette mosquée de Paris. C'est très connu. La grande mosquée de Paris s'occupe d'une place importante dans la vie religieuse des musulmans à Paris, voire en France. Mon objectif principal de la visite s'est basé sur les points communs des deux pays, parce que la Chine et la France sont tous deux des pays laïcs. Ils ont beaucoup de dans la population, il y a une proportion importante qui ont choisi l'islam comme religion. Par cette visite, nous aimerions connaître le milieu islamique de France et aussi dans l'occasion, on aimerait présenter la situation actuelle de la vie islamique en Chine et par ce biais, on peut renforcer les liens entre deux pays pour une rencontre profonde, pour avoir une connaissance plus profonde entre les religions, les musulmans des deux pays. Comme ça, on pourrait promouvoir les échanges entre le peuple, voire les échanges du monde. La Chine, monsieur le ministre vient de le dire, est un pays laïque, comme notre pays ici en France. Quel est le rapport entre l'État chinois et les religions en Chine, puisque je constate qu'en Chine, il y a un pas qui a été plus loin, qui a été franchi, puisqu'il y a un ministère des affaires religieuses, alors qu'en France, ici, il n'y a pas de ministère des affaires religieuses, il y a simplement le ministre de l'Intérieur qui est en charge des affaires religieuses. Quel est le rapport
entre l'État chinois et les différentes religions chrétiennes, bouddhistes, taoïstes et musulmanes. Est-ce que ce ministère gère toutes ces religions ? Le Bureau national des affaires religieuses de Chine est dirigé directement par le Conseil d'État chinois, l'équivalent de Matignon en France. Le bureau gère les affaires concernant les religions en Chine, aussi les relations entre les religions avec le gouvernement, les religions avec la société, pour défendre l'intérêt de toutes les religions. Et en même temps, dans le cadre législatif, on respecte la loi, on gère les affaires religieuses. C'est pour garantir et pratiquer la liberté de religion en Chine. C'est en même temps le bureau essaye d'encourager, de promouvoir que le peuple qui ont tout genre de religion, de les milieux religieux, de travailler ensemble pour le développement de Chine. 正像法国有基督教、犹太教。 Comme en France, il y a quatre religions principales. En Chine, on en a cinq. Il y a l'islamisme qui vient de l'étranger, le bouddhisme qui vient de l'Inde, et les chrétiens et les protestants, et aussi le taoïsme qui est une religion ancestrale chinoise. Ancestrale chinoise. Les responsables du bureau, c'est de protéger les milieux religieux, de les gérer, de les servir, y compris celles islamiques. D'accord. Si vous me permettez, je voudrais poser une autre question et préciser à nos téléspectateurs qu'en Chine, les musulmans sont en gros deux catégories. Il y a les musulmans Hui, qui sont les plus anciens, et il y a les musulmans ouïghours qui sont d'origine turkmène et des républiques qui sont frontalières de la Chine de l'Est. Est-ce que le rôle du bureau des affaires religieuses, au-delà de protéger les musulmans, est-il également de les aider? Ou bien est-ce que c'est une neutralité absolue de l'État en simplement garantissant leurs droits et leur liberté de culte? Je suis très heureux de répondre à votre question. C'est comme en France, en Chine, l'islam, c'est une religion étrangère qui vient de l'étranger. La différence, c'est que l'islam arrive en Chine très tôt, ça revient jusqu'au 7e siècle, il y a 300 ans. Donc c'est vraiment très, très tôt, et la religion a passé une période de civilisation. L'islam est arrivé en Chine et beaucoup plus tôt que l'arrivée de l'islam en France. Parce qu'en France, ça fait 100 ans, c'est ça, c'est presque 100 ans. Mais tandis qu'en Chine, ça fait 1300 ans. Dans le processus de sinisation, il y a des musulmans qui sont allés en Chine pour vivre, pour travailler. En même temps, ils ramènent leur religion. Avec l'arrivée de l'islam en Chine, ça donne des influences. Beaucoup de Chinois ont choisi la religion islamique comme leur propre religion. C'est non seulement les Hui et les Ouïghours. En fait,
dit parmi 56 groupes ethniques en Chine, il y en a 10 qui ont choisi cette religion. 那么在 回族和维吾尔族信仰伊斯兰教 entre les Hui et les Ouïghours, c'est plutôt les Hui qui ont des ancêtres étrangers. 而维吾尔族恰恰是很久很久很久就生活在中国的。Alors les Ouïghours, ils ont vécu depuis très très longtemps en Chine. C'est après qu'ils s'installent en Chine qu'ils ont choisi la religion islam. 从1300多年中国伊斯兰教的传承发展来看，中国政府啊，应该说也是中华文化的特质。 En fait, dans la culture chinoise, il y a des caractéristiques qui ont influencé le gouvernement chinois à choisir de respecter dans les règles et les protéger les groupes religieux de bien développer en Chine. On revient dans les 60 ans, au début des années 50, le gouvernement a commencé déjà à faire intégrer des représentants musulmans dans le gouvernement, des représentants politiques. Le gouvernement chinois a en plus mis en place des politiques religieuses en espérant de donner de bonnes conditions à toutes les religions de transmettre leur culture, leur culte et servir aussi le bon développement de Chine. 与此同时呢，这个中国政府为中国的伊斯兰教界 ils ont mis en place beaucoup de bonnes actions. Pour répondre à votre question, le gouvernement chinois essaye de résoudre des soucis du peuple musulman. Par exemple, il a mis en place des sécurités sociales pour eux et pour former les talents pour les religieux. C'est effectivement les religieux qui travaillent pour cela. Et le ça tombe très bien, nous sommes dans un institut de formation des imams, l'Institut Al-Ghazali, qui nous reçoit aujourd'hui ici. Ma question est de savoir, est-ce que la Chine coopère dans cette matière pour la formation des imams avec des instituts de pays musulmans ou avec des musulmans autres que chinois? Est-ce que, par exemple, il pense ou il envisage à une coopération pour former des imams chinois, par exemple ici dans cet institut, dans le cadre de la coopération religieuse internationale? Et puis, autre chose, juste, j'ai lu par le passé que le grand Mao Tse-tung avait donné un statut particulier pendant la révolution culturelle chinoise aux musulmans qui leur permettait de garder leurs croyances et l'exercice de leur foi. Est-ce que c'est juste un mythe ou est-ce que c'est une vérité historique? La protection de la liberté de croyance en Chine, on fait ça de manière continue. Mais comme vous savez, dans certains moments historiques, il y avait des difficultés, mais la protection avec les politiques religieuses, c'est continu. On essaie toujours de protéger toutes les religions, de pratiquer leurs croyances, y compris l'islam. Au sujet de la formation des talents musulmans, c'est plutôt le milieu religieux eux-mêmes qui ont formé. D'abord, ils expliquent dans leur lieu de culte. La deuxième méthode, c'est qu'il y a des maîtres qui ont des disciples pour transmettre les connaissances.
Mais avec le temps qui s'avance, ça exige qu'on change un peu les modes de former, les talents. Parce que si on explique toujours dans les salles de prière ou les relations maître-disciples, ça ne s'adapte plus à la situation actuelle. Du coup, nous avons établi des instituts pour former les talents avec des notions modernes, avec des méthodes modernes et aussi les expériences traditionnelles. Mais c'est principalement le milieu religieux musulman eux-mêmes. Nous avons le gouvernement chinois donne beaucoup d'attention à ça et beaucoup d'aide. Nous avons 10 instituts en Chine en tout pour former les talents religieux. Partout en Chine. Ces diplômés des instituts sont devenus maintenant des grands barons, grands mollahs et grands imams. Ils sont effectivement des dirigeants à toutes les échelles. Les effectifs actuels sont 2000 étudiants. À ce point-là, on a un esprit ouvert et un esprit de. C'est comme une libération. On est très ouvert pour former ses talents. 立足培养好自己需要的人才，那么就通过这四所经学院，加上传统的这种教育的方式和经验，同时还借鉴国外的人才培养的。 Nous avons non seulement animé ce qu'on peut faire en Chine pour former les talents religieux, mais aussi on a beaucoup d'obligations en envoi des talents à l'étranger. Mais en ce qui concerne la France, désolé. Avec les échanges entre la Chine et la France, je crois bien que peut-être un jour les Chinois vont envoyer leurs étudiants pour venir en France pour être formés. Alors vous me permettez de revenir au président de l'Institut Ghazali, justement, pour faire le lien. Pour revenir à M. Sediri, le président François Hollande a entamé il y a moins d'un mois une visite en Chine. Il a reçu cette semaine une délégation d'hommes d'affaires très importante à l'Élysée, ce qui est une première, qu'un président de la République reçoit une délégation d'hommes d'affaires aussi importante. Cette visite que vous accueillez aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas aussi une petite arrière-pensée de développement économique entre les deux pays, puisque c'est l'axe que semble vouloir développer le président de votre République? Certainement, certainement, parce qu'il y a le souci économique qu'il faut développer absolument avec la Chine, qui reste un pays phare dans la croissance actuellement. Et comme disaient mes collègues tout à l'heure de la délégation, l'obtention de la Chine pour un procédé financier, c'est très positif. Mais moi, j'aurais voulu revenir un peu pour encourager Monsieur le ministre, ce qu'il a dit, si j'ai bien compris. Savez-vous, il y a 15 ans, c'était pratiquement impossible d'imaginer qu'on peut former ici en France, dans un pays laïque, un imam ou un religieux. Nous avons décidé, dans un conseil scientifique, j'étais chargé pour faire ce travail-là, avec des scientifiques, des théologiens, d'imaginer un programme. Donc moi, je vais mettre à la disposition de mes invités le programme, parce que nous avons des points de similitude, à savoir que la Chine, c'est un pays laïque, la France, c'est un pays laïque. Tout simplement, je peux vous dire que l'État, le gouvernement, n'a jamais essayé de s'immiscer, de dire qu'est-ce que vous faites comme programme.
Je vous dis clairement. Moi, des fois, ça m'arrive de critiquer. Mais là, nous sommes seuls à décider comment on peut former un imam en France, dans un pays laïque. Mon concept, qui a été très apprécié par trois pays. Le premier pays, c'est le Canada. Le Canada, ils ont le même problème qu'en France, je pense qu'en Chine, à Montréal, dans le Québec. Ils ne savent pas comment former un imam. Le deuxième pays qui m'a invité, c'est les États-Unis, et exactement à l'université de Princeton, l'université. C'est une grande université, où il y a 6000 chercheurs. Ils m'ont invité pour me poser des questions que comment vous faites pour former un imam dans un pays laïque? Troisième pays qui va vous intéresser certainement, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est une nouvelle république qui était sous l'influence, on va dire ça comme ça, de l'URSS, Soviet Socialist République, et ils ont le même problème que nous. Je peux vous dire que pour réussir, il y a deux problèmes. Pour éviter les deux problèmes, d'abord, le théologien, il ne faut pas qu'il soit enfermé que dans la théologie. L'imam, il faut qu'il ait de bonnes connaissances religieuses, mais en même temps, de la culture, en même temps, de la philosophie, de la sociologie, du droit, de la psychologie, tout ça, elle a besoin. Parce que je suppose que le problème, à travers le monde, ce que vous voyez maintenant, les problèmes qui s'opposent, des musulmans, et de l'islamisme, et de l'intégrisme, le problème n'est pas dogmatique, c'est pas la religion qui pose problème, c'est l'interprétation des textes qui pose problème. Et je voudrais, si je serais honoré certainement de venir avec mes amis vous rendre visite, je voudrais bien voir un peu le programme et parler avec les formateurs chinois, comment ils forment un imam. Et tout de suite, moi je suis d'accord, je peux m'engager officiellement devant vous maintenant de signer une convention avec monsieur le ministre pour la formation, comment on peut former un imam, soit en Chine, soit en France. C'est très important. Le plus important encore, c'est le problème de la pensée. Le problème de la pensée, ça fait des siècles que les pays musulmans, et pas l'islam, sont dans une position un peu archaïque. Donc il faut qu'on avance. Il faut qu'il y ait un échange entre nous. Maintenant, il y a de la communication entre nous. Il y a l'Internet, il y a la télévision, il y a les choses comme ça. On peut même échanger avec vos formateurs. Quand je donne un cours, mon cours il est sur Internet. À Pékin, vous pouvez écouter mon cours. Quand je donne une conférence, vous pouvez l'écouter à Pékin, à Shanghai ou à Tambouctou ou n'importe où. Donc je pense qu'il faut profiter, de cette facilité de communication pour qu'on puisse coopérer et former demain un imam éclairé. Et pardonnez-moi de vous dire, il y a quelqu'un de ma famille qui s'appelle Sidiki. Il était imam en Chine dans les années 50. Il est d'origine tunisienne, mais c'est de ma famille qu'il était imam chez vous. Il est venu en Chine dans les années 50, il est resté en Chine, et je pense qu'il est mort maintenant, il est mort dans les années 80. Et il est parti tout simplement pour aider un peu les musulmans de Chine. Et nous sommes tout à fait prêts, disponibles à coopérer avec vous. Merci, monsieur Siddiqui. Je me retourne vers notre invité, monsieur le ministre, Zhang Lebin. Et j'aurai juste trois dernières questions. La première question de cette série est la suivante. Au-delà de la visite et de la rencontre pour voir l'expérience de l'islam en France, en terre non musulmane, est-ce qu'il y a aussi d'autres objectifs pour cette visite, tels que la possibilité d'établir des échanges économiques entre les musulmans en France et les musulmans en Chine?
notre mission, c'est au-delà de comprendre la situation actuelle des musulmans en France. Effectivement, on veut bien vous convaincre dans d'autres aspects, mais ce n'est pas notre mission principale. On n'a pas la bien responsabilité. Entendu. Le mieux, c'est que vous faire aller en Chine pour discuter davantage. Et la délégation, ils vont faire leur mieux de promouvoir cette activité et vous aider. La deuxième question, et la troisième en même temps, je vais vous les poser. La deuxième étant un peu anecdotique. Monsieur le ministre, tout à l'heure, quand il parlait des musulmans, il a dit « l'islam, ça vient de l'étranger ». Ça a 1300 ans en Chine. Au bout de combien de siècles encore, il pourrait être chinois et non pas il vient de l'étranger. Vous avez compris la question? Voilà. Et la dernière question, quel est le message que Monsieur le ministre souhaite adresser aux musulmans en France? En fait, les musulmans s'adaptent en Chine, ils avancent avec le temps. La culture musulmane sont nourries par la culture chinoise et maintenant, ça c'est effectivement fait partie de la culture chinoise. Le message que je voudrais transmettre aux musulmans en France, c'est que ce que le gouvernement veut aux musulmans, c'est avoir une croyance juste, une action juste, et avoir l'autonomie et confiance à eux-mêmes. Je souhaite bien que dans le processus de transmission saine de religion islam en France, c'est pour que la population musulmane servir le pays de France. Je veux dire une information. La Chine de l'islam est en train de se développer. Nous avons un projet de faire venir des étudiants imams en Chine. On va mettre en place des départements des étudiants étrangers. Le gouvernement chinois comprend très bien la situation des musulmans en Chine, soutient la formation des talents religieux. Quand toutes les questions se réunissent, nous allons faire venir les étudiants étrangers, imams, pour les former. On va ouvrir une grande porte à toutes les religions qui veulent faire des études en Chine, y compris la France. On espère que la France pourra sélectionner et envoyer les talents en Chine pour être formés. Merci beaucoup. Nous sommes rattrapés par le temps pour l'émission. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectatrices et spectateurs que parmi les musulmans célèbres à travers l'histoire, le deuxième personnage à avoir découvert les États-Unis d'Amérique, après Ibn al-Khashkhash, le Marocain, c'est un amiral chinois musulman qui a découvert les États-Unis d'Amérique avant Christophe Colomb. Et je voudrais également dire que parmi les choses accomplies par les musulmans en Chine, c'est aussi le développement de la discipline de Kung Fu. Pour plus de 50% de cette discipline, elle a été développée par des musulmans chinois. Je remercie Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Je remercie Monsieur Jelloul Sadiqi de nous avoir accueillis dans les locaux de l'Institut. Et je vais dire merci en langue chinoise à Monsieur le ministre. Xie xie.